Bien salut à tous les amis, aujourd'hui pour un nouveau tuto sur comment construire une fusée. Donc on va commencer. Alors, premièrement, vous allez avoir besoin de deux blocs importants à la construction. Le premier c'est la laine orange, comme on voit ici, et la deuxième c'est le bloc de quartz. Le troisième bloc, bloc de roche, va juste nous servir, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous allez placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs de roche en l'air. Une fois ces 10 blocs placés, vous allez placer au-dessus un bloc de laine orange et vous allez pouvoir retirer tous les blocs de pierre, de roche. Donc vous allez comprendre pourquoi on place la laine orange ici. Il est très important de laisser 10 blocs. Donc c'est important de laisser les 10 blocs comme ça. Alors ensuite, vous allez faire une étoile. Alors comme ça, vous voyez, hop, donc avec un bleu bloc au centre et donc. Ici, donc aux extrémités, en comptant ce bloc, vous allez faire 10 blocs. Donc là, on a déjà posé un, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je crois. Oui, c'est ça. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc juste là, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, c'est bon. Ok, donc une fois qu'on a placé tous ces blocs, vous allez placer aux extrémités un bloc à chaque fois. Donc là voilà, on place un bloc à l'extrémité, un bloc à l'extrémité. Pareil, donc ça nous fait un total de 3 blocs. Hein. Donc voilà, on place les blocs. Hop. Et voilà. Ensuite, vous allez partir de 2 en diagonale comme ça, partout. Donc vous allez faire hop, 1, 2 en diagonale. 1, 2 en diagonale. Donc vous voyez ici et là il y a 2 blocs. Donc ça fait 3 et 2 blocs. Hop, 1, 2. 1, 2 et pareil de l'autre côté. Donc des 4 côtés on fait ça. 1 et 2. Et là, 1 et 2. Ensuite, vous allez repartir une toute dernière fois en diagonale mais de 2. Donc voilà, donc c'est pareil. 1, 2. 1 et 2. Donc on va faire pareil de tous les côtés. 1, 2. Voilà. Donc c'est important de faire à chaque fois 2 diagonales. Et de voilà. Donc en gros ça nous donne un total de 3 blocs, après 2 blocs à chaque fois en diagonale, pour chaque truc. Et pour finir en fait on va juste placer un bloc en diagonale, suivi d'un deuxième bloc en diagonale, mais un seul, vous voyez, un seul posé. Ce qui va, donc on fait ça de tous les côtés, hein, et ça va nous donner l'effet d'un rond. Parce que dans Minecraft, bon c'est pas vraiment un rond, vu que c'est des cubes, mais voilà, on aura l'impression d'avoir un vrai rond. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez monter... de 49 blocs, voilà, donc pas 50 parce qu'on a déjà placé celui-ci, donc de 49 blocs. Donc voilà, on va commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49. Donc là, voilà. On a la première partie, pas finie, mais voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer de monter en fait. Vous allez monter 49 blocs bah, pour qu'ici ça se touche. Donc voilà, ça vous donnera un cylindre. Donc bah, écoutez, je fais une ellipse et on se retrouve tout de suite après. Ok, les amis, donc c'est bon, j'ai fini le cylindre. Donc pour le moment, ça ressemble à rien. Il faut le dire, hein, clairement, ça ressemble à rien du tout. Et donc en fait, ce qu'on va faire, on va rajouter... Je suis désolé. On va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Parce que là c'est vraiment, en fait c'est, on dirait que c'est vraiment tassé alors qu'une fuite est censée être grand. Donc voilà, bah, il vous suffit de rajouter 9 blocs partout. Donc je vais refaire une ellipse, l'histoire de finir ces 9 blocs et on verra après. Mais franchement, vous inquiétez pas, franchement on a l'impression que c'est grand, long et tout. Voilà, c'est plutôt rapide parce que c'est creux, ça a l'avantage donc voilà d'être plutôt rapide. Franchement, si en plus vous le faites, j'ai beaucoup de fois franchement je me rends compte. Mais si vous le faites sur serveur, c'est vraiment rapide aussi. Donc voilà, n'ayez pas peur en voyant la taille. Donc bah, je refais une ellipse et on se retrouve tout de suite après. Ok, voilà les amis, donc c'est bon, j'ai fini le cylindre. Donc là voilà,
Franchement, rajouter 10 blocs, ça améliore un peu, moi, vraiment beaucoup. Et en fait, donc là, ce qu'on va faire, alors déjà, juste, on va faire ça, enfin, c'est un repère pour moi. Voilà. Inutile, hein, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc voilà, ici, à partir de là, vous allez recompter 10 blocs, mais cette fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs. Alors, on va voir 10 blocs, si c'est suffisant, peut-être, on va voir, je sais pas. Mais c'est pour... C'est pas pour ce que vous croyez. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à placer donc deux blocs comme ça. Vous voyez donc deux blocs partout. On va parce que bah voilà, hein, vous faites ça. Donc voilà, vous allez placer deux blocs partout, comme ceci. Donc je le fais une première fois. Je pense pas le faire partout. Je vais peut-être faire une ellipse. Parce que vous devez vous rendre compte que si je fais pas d'ellipse quand je fais ça, parce que là c'est plutôt facile à faire, mais si je fais pas d'ellipse, on va se retrouver avec une vidéo qui fait 40 minutes, et j'ai eu en commentaire sur mon tuto avion, c'est vrai que 40 minutes c'est long. Bon après c'est gros, mais voilà, c'est quand même long. Donc je vais juste voir si 2 c'est bien ou pas. Ou peut-être pas, peut-être 4. Ou 3, on va faire 3, vous allez faire 2-3 finalement, et pas 2, vous allez faire 2-3. Ok, on va faire 2-3. Alors comme ça, voilà, 2-3. Donc je vais juste, donc là on a fait un côté. Je vais pas finir l'autre côté, je le ferai pendant une ellipse. Et là on va faire peut-être, oui encore 3. Faut vraiment tester, hein. Donc là je suis en train de tester. Parce que peut-être que de 2 ça va, peut-être 2 c'est suffisant, hein, je sais pas. Hop hop. Voilà. Alors est-ce que 3 va être suffisant? Enfin, bien. Voilà. Oui, je pense que 3 ça peut être bien. Ouais. Ça peut être suffisant. Ici aussi. On va finir là. Voilà. Donc vous faites 2, 2, 3 et on va terminer par, par du 2. 1, 2. 1, 2. Donc au final... 1, 2. 1, 2, 1, 2. Je pense pas que... comment dire... attendez, excusez-moi, je pars un peu mou, je me concentre. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, donc voilà, vous faites 3, 2. Vous faites, pardon, 2, 2, 3. Excusez-moi, donc vous faites 2, 3. Et après, vous finissez par du 2. Mais vraiment, vous finissez. Hein, y a pas de... On finit. On finit uniquement par du 2. Donc 1, 2. Vous ne posez pas de questions si ça dépasse les 10 ou pas. C'est pas grave. On finit par du 2. Hop, hop. Voilà. Donc là, ça, là. Comme ça. Là. Là. Ok. Et voilà. Donc là on a ça, et on va faire encore, on peut en faire encore, ouais, donc, de toute façon je vais récapituler après, parce que là j'ai pas beaucoup parlé et tout. Donc voilà, vous faites du 2, après c'est plutôt simple, y a pas 36 000 choses à faire, c'est plutôt répétitif. Ok, ok. Comme ça, ouais, voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc en gros vous faites, voilà, donc en fait on va faire ça, vous faites 1, 2, 2, 3, donc vous faites une première fois 3, en diagonale vous partez de 1, vous faites une fois 3, après vous repartez en diagonale de 1, vous faites un premier 2, donc 2 blocs, vous partez en diagonale de 1, vous faites un deuxième 2, vous repartez en diagonale de 1, vous faites un troisième 2, donc en gros ça vous donne 2, 3 et 3, 2, 2. Et ensuite vous terminez, là par contre vous allez vraiment terminer par du 1 en diagonale, mais uniquement du 1, vraiment que du 1.
Donc tu vois là, bah, je vais le faire rapidement et après je vais faire une petite ellipse pour finir l'arrière. Donc là voilà, hop, comme ça, voilà, après encore une fois de 1 ici, là, comme ceci, hop. Attendez, ah oui, j'ai oublié de placer un bloc là. Donc ça c'est une erreur de ma part, hein, c'est pas grand chose. Et voilà, et après donc ici on va avoir un carré, et on va juste placer un bloc au final, et voilà. Donc au final ça nous donne ça, un rond pas trop mal. Donc même au final le bloc de fin là, le bloc que j'ai mis à la fin, vous pouvez le retirer, parce que voilà. Donc bah écoutez, je fais une ellipse pour finir le tout et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc j'ai fini le tout, donc voilà, donc là on a le premier cylindre qui rend plutôt bien, enfin je trouve qu'il est pas trop mal fait, ça va. On dirait un gros obus. Mais bon. Donc voilà, donc ouais, c'est vrai que c'est gros, mais bon. On va faire avec, on va dire. Alors maintenant on va prendre le quartz et on va faire. On va faire. Déjà on va prendre un repère avec la roche, on va descendre tout en bas, voilà, on va coller, on va faire 1, 2, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs, voilà, 8 blocs en bas et on va placer le bloc de quartz. Alors attendez, là il y avait la roche qui était collée à ça, vous voyez, et on va placer, pardon, le bloc de quartz ici, juste ici. Bloc de quartz collé ici, on va faire un rond mais beaucoup plus petit, donc vous allez pareil faire en 3. Vous allez partir en diagonale de 2 comme ça, 1 et 2. Vous allez repartir en 3, donc ici hop, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2. 1, 2 et 3. Et ici on repart en diagonale de 2, 1 et 2, voilà. Donc ça devrait, j'espère, être suffisant, ouais c'est parfait, c'est ça. Ok, donc voilà, une fois qu'on a fait ça, bah alors on va faire exactement le même de l'autre côté. Donc voilà, pareil, on va prendre notre petit repère ici. Hop hop hop, mince. On descend jusqu'ici et là on place notre bloc de quartz, voilà. Donc on peut casser et on va refaire la même. Donc c'est juste pour que, mince, 1, 2. Si je fais déjà le deuxième, c'est pour qu'après j'ai pas à galérer à le refaire. Oui, donc c'est bien ça. 3, 1, 2, 1, 2 et 3. Et voilà, et 1, 2, ok. D'ailleurs, à noter ici, on peut. Vous pouvez boucher le tout, hein, c'est pas important. Bon, ça fait partie des détails qu'on fera à la fin. Par contre, là, on va juste le boucher ici parce qu'après, il va falloir casser la terre et tout pour le boucher, c'est un peu chiant. Ah ben non, vu qu'on changera après. Ouais, alors si, là, ce qu'on va faire, vous allez vraiment laisser que les blocs en diagonale, comme ceci. Voilà, alors, là, voilà. Voilà, voilà, et voilà, ok. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va déjà essayer de prendre le milieu. Donc voilà, pour prendre le milieu c'est très simple, vous faites une croix avec ça. Le milieu qui est ici, et en fait vous allez monter, et on va pas compter. On va vraiment monter jusqu'à temps qu'on arrive. On va le voir, voilà. On va monter jusqu'ici en fait, vous voyez, donc jusqu'à ce bloc là. Voilà, et après donc vous cassez, donc là voilà. Et une fois qu'on a ce bloc là, on va s'arrêter. Et voilà, donc en fait j'ai fait une légère, une petite ellipse, enfin qui se verra presque pas au montage, donc voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, je suis allé voir donc des images avant de faire ce tuto bien évidemment, parce que je peux pas l'inventer. Une fusée, donc c'est comme ça, mais ici c'est bombé. Le cône ici est bombé. Alors que le ici c'est vraiment un cône, alors c'est un cône vraiment en pic, donc ici on voit que c'est bombé, il y a une forme arrondie. Ici non, faut que ça soit bombé, enfin pas bombé pardon, enfin en cône. Donc bah écoutez, on va pas se poser la question, on va faire ça, alors d'abord on va, alors oui, ce qu'on va faire, vous allez compter à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5 blocs,
Donc à partir de ces 5 blocs, on va juste faire ça. Donc il va encore une fois être un repère. Donc moi j'utilise beaucoup de repères. Et donc, oula, j'ai eu un petit lag, je sais pas ce qui fait laguer. Donc on va monter, donc je vais juste faire les 4 côtés de la chose là avec, avec ça. Alors, voilà, donc on va juste faire, ouais, je vais faire les 4 côtés qui vont servir de repère et après je ferai une ellipse. Alors pendant que j'y pense, je sais absolument pas si ce tuto va être en plusieurs parties, peut-être, parce que ça va être gros. Première partie sur la fusée en elle-même et deuxième partie sur la navette. Puis voilà, alors, enfin je dis ça mais ça sera peut-être pas le cas non plus. Hein. Donc voilà, on monte. Et voilà, après donc voilà, je vais descendre comme ça, ça va être bien aussi. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc je vais vous montrer juste pour faire le cône. Ok. Voilà, donc après là c'est facile, vous n'avez plus qu'à monter tout le reste au même niveau. Et une fois qu'on est là-haut, donc on a toujours nos 5 blocs qui sont là. Alors j'ai dit 5 blocs, mais ça va peut-être pas être 5 blocs, hein, on va voir. Je vais juste 1, 2. Je vais juste voir pour faire comment faire le cône. Donc à partir des 5 blocs, je pense qu'on peut faire ça en fait. Donc vous voyez, donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Vous prenez un, donc vous laissez ce bloc là. Vous partez en diagonale de un seul bloc. Et au final on arrive à coller ici, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, on va faire pareil partout. Ça nous donne ça. Donc juste là, on va faire ça, proprement quand même, un minimum. Hein. On va dire, pour les biens du tuto et la rapidité, que là, on a fait ça, en ellipse. Hop, mais je vais le faire après, ça change rien, donc voilà. Donc là, on a la même chose. Donc voilà, en gros, ça nous donne ça, donc si on avait fini, ça nous donnerait ça. Oui, donc là, je me suis complètement planté, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et ici aussi, je me suis trompé. Ici aussi, c'est superbe. Voilà. Donc là, bon, on va boucher vite fait. Pour l'esthétisme. Même si ça se verra pas. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez continuer comme ça les blocs ici. Vu que là, le bloc, il est là. Donc, on va continuer de 1 comme ça. Là, on va faire comme ça. Voilà. Ici, comme ça, on va faire. Et là, comme ça. Donc c'est très simple. Il suffit juste de repartir en diagonale d'un seul après. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Ici on repart là. Et comme ça. Donc voilà. C'est pas d'une grande difficulté, je pense. Comme ça. Et voilà. Donc là, ça nous donne ça. Et ça m'a l'air bon. Bah voilà, on est plutôt bon. Donc on a fait ça. Et bah écoutez, donc ce que je vais faire une petite ellipse pour finir la fin de celui-là. Et en même temps dans l'ellipse, je vais faire l'autre. Allez, à tout de suite. Ok, re les amis, donc c'est bon. J'ai tout fini. J'ai fini les deux choses supplémentaires à faire. Ensuite, on va s'occuper de ça. De ça. Alors vous allez récupérer, on va prendre, j'aurais bien vu peut-être le bloc de charbon, qui ressemble vraiment à du carbone, enfin voilà quoi. Bloc de charbon qu'on va placer, on va le mettre de un seul comme ça, un seul en diagonale, et on va remplacer ce bloc ici en diagonale, voyez. Donc, comme je suis en train de le faire, vous allez remplacer ce bloc en diagonale, pas en diagonale mais n'importe quoi, je dis vraiment n'importe quoi moi, trop de diagonale dans ces trucs. Donc voilà, vous allez remplacer par bloc de charbon, vous allez virer ce bloc là, vous allez l'enlever complètement, et à la place, donc juste on va enlever celui là voilà, à la place ici vous allez mettre, vous allez faire en fait comme pareil que qu'en haut. Donc, vous voyez, vous allez faire pareil. Vous allez
faire comme ceci. Sauf que on va vous allez le faire pareil, mais vous allez rajouter un bloc en fait. Bah, comme je suis en train de le faire, hein, donc ça va vous faire deux blocs en diagonale quoi à la base. Hop. Et voilà. Et donc vous allez après rajouter le bloc, hein, on va pas laisser comme ça, donc voilà. Ça nous donne ça. Voilà. Donc on a un résultat qui est comme ça. Voilà, donc c'est bon. C'est ça qu'il fallait faire. Ensuite ici, là on voit que c'est pas très beau, donc on va juste rentrer à l'intérieur. Et on va mettre un bloc comme ça, vous voyez, enfin, qui touche pas le noir, qui est derrière le noir, le bloc noir. Hop. Et voilà. Alors après ici on va faire pareil. Le bloc noir est là. Et voilà. Donc on va le placer ici. Ok. Donc voilà, c'est bon. Là on a le premier qui est fini. Donc voilà. Et on va faire le deuxième maintenant. Donc ouais. C'est pas très grave, c'est pas très long à faire. Une fois qu'on a fait le premier, on peut faire le deuxième. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer la navette. La navette. Voilà. Hop, je le finis rapidement. J'en ai pas pour très longtemps. Ok. Après celui-là, mince. On vire le tout. Pour éviter de rentrer dedans après, on va le faire maintenant. Voilà. Hop. Ici, on fait pareil. On redescend. Et voilà, ok. Donc, après, maintenant, ici, on va faire la première fois le tour en diagonale. On va le faire une première fois. Et on le refait une deuxième fois. Hop. Voilà. 3. Et là, on a terminé. Et après, voilà, on fait le reste, le dessus, quoi, en diagonale. Et on aura fini. Et on va pouvoir s'attaquer maintenant à la navette. Navette, alors. Ok. Donc, la navette, elle est accrochée. Elle est accrochée. Donc, je regarde ici. Comment on peut faire. Donc là il y a deux trucs. On voit quand même que c'est une fusée, hein. Je suis désolé, mais ça se voit. Ah je suis désolé, hein, faut pas déconner quand même, voilà. Donc la navette, de quelle couleur on va la faire par contre? Blanche. Donc on va. Donc ici il y aura les réacteurs. Donc vous allez monter de 1, 2, 3, 4ème bloc ici, vous allez placer du blanc. Ici. Vous allez placer 1, 2, 3, 4, 5 blocs comme ça. Vous partez en diagonale de 1, vous allez en replacer 1, 2, 3, 4 blocs. 1, 2, 3, 4 blocs. Vous allez repartir en replacer 3. 1, 2, 3. Et après, parce qu'en fait normalement ça dépasse. Donc non, vous allez faire une première... Ouais alors non, on va faire 6 blocs, voilà. Vous allez placer 6 blocs. Ensuite, vous allez replacer 1, 2, 3... 4, 5, 6 blocs. Vous allez placer 2 fois 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et une fois qu'on a placé les 6 blocs, on va en replacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, on a ça comme résultat. Et on va en replacer... On va en placer 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça dépasse de 1, ça devrait être bon. Voilà, mince. Ouais, c'était là qu'il fallait placer de 5. Ok. On a placé de 5 comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord, ok. Donc en gros, c'est simple. Hein. À partir du milieu, vous faites 6 blocs. Vous... Par contre... en compte je suis fait parce que là il y en a 3, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ici ça s'arrête là, et là ça s'arrête là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4, 5, 6, voilà. Donc c'est 7 blocs au milieu, et après vous partez de 6 sur les côtés, donc vous partez de 2 de 6, voilà. Et vous faites une dernière rangée de 5. Ensuite, une fois qu'on a fait cette rangée, on va monter. Et donc vous voyez, alors, c'est bête, mais on va prendre, vous voyez ce bloc là, vous allez descendre d'un bloc, et donc voilà, on est descendu d'un bloc, on va aller ici. Voilà. Donc ici, c'est ici que donc la navette va être. Donc on va faire la taille de la, on va déterminer avec ça la taille de la navette, c'est un repère que je me suis fixé. Voilà, avec des plans sur internet bien évidemment. Donc là maintenant on a ça. On a ça et comment on va faire? Ça va être simple. Bah écoutez, je fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite après. Ok, voilà, c'est bon. Alors, on va prendre de la roche. Et avec cette roche, on va la placer en fait là. On va faire comme ceci. Puisque l'avant est gris de la navette, donc voilà, on met de la roche comme ça en cône. Voilà. Alors, je vais juste bien faire le cône quand même, hein, sinon voilà. Donc voilà. Là, on aura le nez de la navette. Et après, comment on va faire? Je réfléchis. Re les amis, donc c'est bon. Alors, pour éviter une perte de temps, car j'ai recommencé plusieurs fois, je me suis arrêté là. Alors, je sais pas si ça avait fait ces blocs. En gros, il y a le nez. Donc, vous voyez le nez en gris. Et vous repartez donc de deux blocs comme ça en diagonale. Voilà, c'est simple. Juste deux blocs, et à partir du deuxième, vous descendez tout en bas. Donc voilà, deuxième bloc, vous descendez tout en bas et vous remplissez le tout. Donc ça, c'est voilà, ok. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on va faire la navette. Donc je vais vous montrer. Vous allez ici replacer donc sur les deux côtés des blocs. Donc je vais le faire maintenant. Je vais le faire avec vous. Hop, voilà. Donc vous allez les placer ici en diagonale comme ça. Hein, c'est pas... Donc on va redescendre à fond. Ok. Mince. Voilà. Ok. Donc en fait la chose qui est dure c'est vraiment de se repérer vu que c'est pas droit quoi. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, on va faire l'ossature. Enfin pas l'ossature, mais je vais vous montrer comment faire ça. En fait c'est très simple. Vous placez donc à partir. Donc ouais, en fait vous avez le nez. Vous avez le nez et donc vous partez donc de 3 blocs en diagonale, donc voilà comme j'ai fait ici, à partir des 3 blocs vous descendez. Et une fois qu'on est descendu donc sur le troisième bloc, donc le tout dernier qui est ici, vous placez 3 blocs, 1, 2, 3. Donc à partir de ça vous pouvez faire pareil de l'autre côté, 1, 2 et 3. Ensuite vous allez partir de un seul en diagonale, donc pareil de l'autre côté, on part sur un bloc en diagonale, donc voilà ça nous donne 3, 1 en diagonale. Vous repartez ensuite de deux blocs en diagonale, donc hop, 1, 2. Donc en fait, ça vous fait 3, un bloc en diagonale et deux petits blocs ici en diagonale comme ceci. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, bah, il vous restera un vide donc de 3 blocs, normalement, donc ça vous donne ça. Et ce vide, donc vous partez en diagonale de 3 blocs. Mince, 3 blocs, et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais faire une petite ellipse. Donc vous allez tout, vous allez monter, en fait, vous allez vous élever. Et vous allez vous arrêter, donc ici, vous voyez, on a fait le bloc ici, vous allez vous arrêter à 1, 2, 3 blocs. En gros, vous vous arrêtez ici. Donc, inutile d'aller plus loin, vous vous arrêtez là. Voilà, donc je fais une petite ellipse, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Ok, les amis, donc c'est bon, j'ai fini. Donc voilà, on est monté, pardon, oh là là. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, donc on est monté jusqu'où j'avais dit, quoi. Ce qu'on va faire ici, on va faire comme ceci, vous voyez, en diagonale. Donc sauf ici, là, sauf le nez, on va pas mettre de bloc ici. On va juste, bah vous faites comme vous venez de faire en fait, c'est un peu dur à expliquer, mais voilà. Placer un bloc là ensuite. Ensuite, on va refaire une diagonale. On va refaire, hop, une diagonale. Et ici, en fait, ici, on va placer du verre. 2, 3 de verre, voilà. Ici on va enlever les blocs et on verra comment faire après. Donc ouais, on a placé le vert. On va pouvoir ici repartir ensuite comme là en diagonale, comme on vient de le faire. Hein. Vous allez faire ça. Hop, on repart
ici en diagonale. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on est là, ce que vous allez faire, vous allez partir, donc on va faire comme ça. Là, le bloc, vous pouvez le placer en bas, en fait, hein. En bas ou... Oui, en bas, parce qu'après, on va récupérer les escaliers. Et là, bah, après, vous allez... Voilà, donc... vous pouvez repartir comme ça, en diagonale. Comme ça. Hop. Voilà, vous partez en diagonale partout. Donc, c'est pas très compliqué pour l'instant, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pareil, c'est que de la diagonale. Il suffit de gérer. Enfin, de gérer, voilà. Je me comprends. Sauf que là, personnellement, moi je trouve que c'est pas très beau. Enfin, l'avant ça va. Vous voyez le nez et tout, mais là ça repart directement en l'air, c'est pas super joli. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va casser ça. Vous allez faire de 2. Au lieu de faire une diagonale de 1, vous allez faire une diagonale de 2 en fait, tout simplement. Donc vous voyez de 2 ici, là, hop, comme ça, et voilà. Vous allez faire comme ça. Donc on va faire pareil bah, des autres côtés. Donc là, voilà, ici, diagonale, hop, de 2. Ici, 1, et là, voilà. Là, ici, de 2. Et là, là, comme ça. Donc voilà, ça me paraît bon. Ça me paraît bon. Là, mince, diagonale, ici. Si j'arrive à le placer de 2, 1, 2. On va juste enlever ce bloc là, on va le replacer. Ah bah non, du coup, ah non. Ici, hop. Diagonale de 2. Ensuite, j'ai fait comment de l'autre côté? Donc là, j'ai fait comme ça. Ici, j'ai placé un bloc. Attendez, 3. Ah oui, d'accord. Donc là, voilà, ici, on place un bloc là. Vu qu'il y a une diagonale de 2, voilà, j'avais complètement zappé. Donc voilà, comme ceci. Donc là c'est bien. Et là en fait on fait comme ça. Et là après on est comme ça. On a 2 et voilà, on est bon. Donc voilà. On a la navette comme ça, donc ça va, hein, c'est pas trop. Ça va. Elle ressemble plutôt bien. Et pour affiner le tout, on va prendre des escaliers en quartz. Alors je crois qu'on peut les placer normalement. Attendez, alors ça va être le souci. Si, comme ça, voilà. Bah, en fait, vous placez des escaliers simples. Tout simplement, vous placez les escaliers. Voilà, sur tous les blocs. Sur tous les blocs de quartz. Alors, je vais vous montrer où les placer. Donc là, vous les placez où je les ai placés. Et vous pouvez les placer ici, mais pas là. Donc ici, ok. Là, d'accord. Donc là, on peut en placer. Ici, mais pas là. Pas là. Et là, donc voilà, on a ça. Et donc là c'est bon, on a, bah, on a la navette. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ici on va prendre un bloc de charbon. Vous allez vous placer ici, donc à partir de là. Vous allez compter 1, 2, 3. Alors ici vous allez pouvoir faire 3 blocs en noir ici. Là vous allez pouvoir placer du noir aussi. Voilà, donc comme ça, hop. Mince. Hop, ici on place du blanc, et là, 1, 2 et 3. J'ai des petits lags, je ne sais pas pourquoi. Alors, slash day, hop. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, bah écoutez, on va finir l'aile. Donc, à part, donc là, vous laissez en blanc ça, et alors là, voilà, là ça va être un peu... On va... Je sais pas comment on va faire. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3 blocs qui dépassent comme ça de charbon. Vous partez de 1 en diagonale, vous refaites 3 blocs. Donc après, vous repartez pareil, toujours de 3 blocs. On va pas changer. 1, 2, 3. Donc voilà, 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Ici. Bon, si j'y arrive. Voilà. 1, 2, 3. Bon, on va continuer de faire ça. En plus, on devrait peut-être arriver logiquement à toucher l'aile là au fond. Alors attendez, donc je le fais, hein, sans vous dire combien on en fait, je vous dirai à la fin. Donc
on en fait, et en fait, bah, 3, 3, ça touche en fait. Donc là, voilà, alors ok, j'ai compris. Donc en fait, ce que je viens de faire là, vous prenez des blocs en diagonale tout simplement. Parce qu'en fait, normalement, ça fait genre ça. C'est pas comme ça direct, c'est comme ça. Hop. Donc niveau des ailes. On a fait 3-3-3 ici. Là, on va pouvoir casser ça. Ici, donc vous faites un premier de 3, un deuxième de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous repartez de 3. 1, 2 et 3. Voilà. On repart comme ça de 3. Donc voilà, donc ça en fait vous pouvez enlever. Donc j'ai tenté d'améliorer la chose. Voilà, donc alors je vais vous répéter ce qu'il faut faire. Vous faites un premier de 3, un deuxième de 6, un troisième de 6, un quatrième de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, une fois que vous avez fait ça, ici, là vous avez placé 1, 2, 3. Là, 1, 2, 1, 2. 2 comme ceci. Et après on repart en diagonale de 1, 2. Voilà, donc en fait on fait ça, vous faites un premier de 3, un deuxième de 2, un troisième de 2, vous repartez en diagonale de 1, vous refaites 2. Ensuite en haut on va faire, là on va faire 1, 2, on repart en diagonale de 1, on repart de 2 ici. On repart de 1. On repart de 1 et on termine par du 2. Ok. C'est bon, je l'ai fait. Donc voilà, le résultat, ouais, c'est comme ça, donc c'est à peu près comme ça en vrai. À peu de choses près, c'est ça. Donc je vais le faire de l'autre côté pour que vous compreniez un petit peu mieux. Alors. Donc ici, on en est là. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on fait un premier de 3. On fait un deuxième de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un troisième de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un quatrième de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'ailleurs moi je sais pas pourquoi mais depuis le départ je dis on fait 4 de 6 mais non en fait on fait que 3 de 6. On en fait que 3. Ensuite après avoir fait donc, le troisième de comme ça, vous repartez en diagonale de 2. Après vous repartez sur un seul et vous repartez sur 2. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là vous voyez ça fait 2, 1, 2. Vous repartez sur 1. Et vous, donc voilà, on repart sur 1 et vous repartez sur du 2 pour ensuite repartir sur du 1. Donc voilà, on a fait le 1 et vous répétez une dernière fois l'opération. Donc vous refaites du 2, du 1 et du 2. Voilà. Et une fois qu'on a fini le 2, et ben en fait on n'a plus qu'à, on en est là. Donc vous faites une toute dernière fois du 2. 1 et 2, et là 1, 2, parce que là j'avais pas mis ça, donc ça on peut l'enlever, et là voilà 3, ok, donc c'est bon. Alors c'est un peu dur je l'avoue, mais j'ai pas de modèle, donc en fait vous faites 3 tout simplement, ensuite vous faites un deuxième de 3 en diagonale, ensuite vous faites 1, 2 et 3 de 6, en toujours en partant sur un seul diagonale, 6. Ensuite vous faites 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, encore une fois, donc vous faites 2, 2 à la fin, et un dernier de 3. Voilà les amis, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir ici reboucher le tout avec du quartz, et on fera à la fin les dernières choses qui restent. Donc je fais une petite ellipse, et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Ok les amis, donc c'est bon, alors voilà, j'ai rempli tout. Juste pendant que j'y pense, on va juste corriger quelque chose qui est absolument dégueulasse, c'est ces vitres. Pourquoi? Donc vous allez enlever comme ça. Moi perso je trouvais ça pas très beau en fait.
Donc vous allez juste mettre du quartz ici, enfin ouais, donc un bloc de quartz, et les vitres en fait on va les faire plus comme ça, vous voyez, donc on va en placer une donc là, ici comme ça, vous voyez, hop, alors là vous pouvez casser le bloc et vous la mettez là, et vous faites pareil de l'autre côté, 1 et 2, voilà, tout simplement. Simplement parce qu'en fait je suis allé voir et en fait les vitres correspondent plus à ce que je viens de faire là. Ok, donc voilà, c'est une petite chose voilà, qui rajoute pas grand chose. Une fois que vous avez fait ça, ici là, vous allez prendre, vous voyez donc ces deux blocs ici, hein, à partir de là, vous allez prendre deux blocs et vous allez faire une bande noire. Voilà, on va faire une bande noire. Pourquoi une bande noire? Tout simplement parce que bah, en vrai il y a une bande noire, donc je ne sais pas à quoi elle correspond, en tout cas voilà, moi je la refais. Donc voilà, on fait la bande noire et alors je corrige. Hop. On fait la bande noire. Et ici, vous allez casser le bloc et vous allez rajouter par-dessus bah, le quartz qu'on avait déjà mis, un bloc juste de charbon. Voilà. Donc là, vous cassez le bloc, hop. Et vous rajoutez par-dessus un bloc de charbon. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a ça comme résultat. On va aller en dessous et on va s'occuper du réacteur. Vous allez prendre ici, vous voyez, et là, à partir de là, on va faire comme... Comment dire ? Vous voyez donc, alors attendez, je regarde juste si c'est bien, enfin si c'est pas trop mal plutôt, mais c'est pas trop mal. Ok, donc alors on va le refaire, je vais juste casser les blocs là pour dire que c'est bien le réacteur ici. Ok, donc en fait vous prenez ici bah, à partir des trois blocs qu'on a mis, vous partez de 3 en diagonale, donc 1, 2, 3. Après partie de 3 en diagonale, vous repartez de 1 seul en diagonale. Ensuite vous repartez donc encore de un seul, mais pour venir s'accrocher ici et refaire 2-3. Donc voilà, en fait ça fait ça, c'est simple. Une fois qu'on a fait ça, donc vous allez le faire de 1, 2, 3, 4, 5. 5 ça me paraît plutôt correct, on va voir. Mais à mon avis 5 c'est bon, ça devrait être bon. 5, hop, on va faire pareil ici, 3, 4, 5. Voilà, comme ceci, et puis là on devrait arriver à la fin du tuto. Vous faites ça comme ça, et là vous repartez après en diagonale, comme ceci, voilà, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Ok, alors là, bah, on va faire ici quand même, hein. Les réacteurs d'ici, donc vous voyez là franchement on dirait vraiment que c'est une navette, hein, vu de l'arrière. Donc pour faire les réacteurs, là on va prendre de la laine grise cette fois-ci, et ici alors on va prendre le milieu de là et on va en faire 1, 2 et 1 et 2. Ok, donc voilà, vous allez faire un rond voilà, un rond comme ça. Ici, hop, donc voilà, c'est, vous faites pareil, 1, 2, comme je suis en train de faire, 1, 2, 1, 2, et 1, et 2, ok. Donc on a les premiers ici. On va en refaire ici, 1, 2, attendez, là plutôt, 1, 2, non. Et bon, on va faire un troisième, voilà, un troisième, donc... Ça, après les réacteurs, je sais pas vraiment comment les faire, mais bon. Un petit troisième ici, voilà. Et encore, non, même pas. On va en faire juste deux, et donc là, vous allez partir après comme ça en diagonale. Juste de un seul en diagonale, donc comme je suis en train de le faire. Voilà. C'est l'option la plus facile à faire. Non, on se prend pas la tête, voilà, c'est... Elle sera pas mal comme ça non plus. Donc on fait pareil, voilà.
donc là pardon, je me suis trompé, voilà. Ici voilà, là on casse le bloc, là on enlève celui-là, là, ok. Là voilà, là, ok. Ok, et là, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, et après vous n'avez plus qu'à boucher, bah là avec du quartz, hein. On va juste tout simplement boucher tout ce qui est susceptible d'être vu. Hop, hop, voilà. Donc là, là on peut, on risque de le griller. Faites comme ça. Puis là, voilà, donc c'est bon comme ça. On a toujours les blocs des ailes, donc là c'est comme ça. Et puis bah, à l'intérieur, bah, après vous laissez ça comme ça, donc voilà. La navette est faite. La navette est faite, donc ça c'est fait aussi. Ensuite, on va peut-être pouvoir prendre de la laine blanche. Vous allez prendre de la laine blanche et à partir d'ici, donc de ce bloc là, les trois qu'on avait mis, vous allez monter de 1 et de 2 blocs. Vous allez casser le quartz et vous allez faire ça. Vous voyez, vous allez mettre de la laine. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Voilà. Ensuite ici pareil, vous allez remplacer ici, vous allez mettre de la laine. Donc on va casser tout ce bloc. On va le casser jusque, bah jusqu'en fait où on arrive ici. Voilà, à la section ici, vous cassez là. Enfin à l'intersection plutôt des deux blocs en diagonale. Hop. Voilà, donc en gros là voilà jusqu'ici hein, vous faites. Après vous repartez comme ceci. Voilà. Donc là on va tout casser rapidement. Mince. Parce que tout simplement en fait ça c'est la partie qui peut s'ouvrir de la navette. Hein, parce qu'il y a toujours une partie qui s'ouvre. Et qui se coupe en deux. Donc ici voilà, on va prendre le milieu des trois blocs et on va le couper pareil. Ok, alors j'essaie de faire ça le plus rapidement parce qu'il faut pas que le tuto prenne trop de temps non plus. Donc on va pas faire l'intérieur. Parce que c'est inutile, vous ne pourrez pas monter dedans. À l'intérieur, vous pouvez vous en servir, je sais pas, dans un serveur. Alors, par exemple, donc attendez. Juste, ouais, donc là, il y a du verre. Vraiment, on le voit presque pas, c'est plutôt cool. Bon, là, voilà, c'est pas très grave. Moi, j'aurais fait l'extérieur. Le plus important. De la navette. Alors, slash time set day. Ok, ok. Slash time set day, c'est bien ça. Donc voilà, on a la séparation de la chose et là on a notre petite navette avec tout le reste. Donc bah voilà, dans ce petit tutoriel, enfin qui est quand même court, vous aurez appris à faire une navette qui rend plutôt pas trop mal. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis écoutez, on se retrouve pour un prochain tutoriel, donc je sais pas encore, peut-être un sous-marin, vous m'avez demandé un sous-marin, donc voilà, bah, je pense que je vais le faire. Donc voilà, la navette, franchement, moi je l'aime bien. Je l'aime beaucoup et puis écoutez, bah, on se retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.